Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike. Et aujourd'hui je vais vous présenter un glitch sur Call of Duty Black Ops 3 Zombie Chronicle sur la map Origins. Donc tout d'abord je tiens à faire une grosse dédicace à Johnny34 qui m'a aidé à faire cette vidéo. Donc je mettrai sa chaîne en description de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker sa chaîne et à vous abonner si sa chaîne vous intéresse. Donc voilà, un grand merci à toi Johnny34. Alors, le glitch consiste à dupliquer les bâtons d'éléments d'origine, donc qu'ils soient améliorés ou pas, c'est la même technique. Donc c'est vraiment un glitch assez épique, hein, parce que vous allez pouvoir avoir deux bâtons élémentaires de glace, de feu, etc., etc. Donc voilà, après, ce qu'il vous faut, ben, c'est tout simplement créer le bâton que vous exigez, enfin que vous voulez dupliquer tout simplement. Donc nous on a fait le feu parce que voilà, ben, le feu c'est le seul qu'on connaît, qu'on connaissait. Donc je les connais pas encore tous. Enfin je serais pas les faire tous. Donc voilà, nous on a fait le plus facile. Mais ça fonctionne avec tous les bâtons. Alors le glitch est très 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 facile, très 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 facile. Donc soit vous l'améliorez ou pas. Moi là on va l'améliorer pour justement vous prouver que ça fonctionne bien amélioré. Donc voilà, ça prépare ici. Voilà, c'est à peu près par ici. Donc là, on a les bâtons améliorés. Donc là, j'avais le bâton, j'ai été échanger mon bâton contre une arme pour qui respawn en fait en dessous du pack-a-punch. Il faut absolument faire ça parce que le bâton doit se trouver en bas. S'il se trouve pas en bas, bah, vous ne pourrez pas le dupliquer. Donc quand il se trouvera en bas, vous allez donc ici, regardez, voilà, le bâton il est là. Et là, vous allez demander à votre pote. Donc voilà, nous on va réussir du premier coup, donc c'est pour ça que je me pose. Vous demandez à votre pote ou à vous-même, vous comptez, vous faites un décompte de 3, 2, 1, vous appuyez sur carré à 0, ou alors vous faites 1, 2, 3, et à 3, vous appuyez sur carré. Parce qu'en fait, le problème c'est quand vous faites 3, 2, 1, la personne a toujours tendance à hésiter, soit il attend le 0. Soit il appuie à 1. Donc voilà, faites plutôt 1, 2, 3 à 3. Vous appuyez sur carré, c'est plus simple. Et bah, vous aurez tous les deux le bâton. Si ça ne fonctionne pas, bah, vous allez tout simplement racheter une arme, rééchanger le bâton contre une autre arme. Et il respawnera là et vous réessayerez tout simplement. Donc regardez, 3, 1, 2, 3. Ouais, bon, allez, voilà, je pensais que ça allait tomber, mais en fait non. Donc voilà, vous voyez bien qu'il a le bâton, j'ai le bâton. Et là, regardez, on va faire flèche de gauche. Voilà, on change. Lui, il a changé, donc moi aussi je change. Donc voilà, vous pouvez bien remarquer que c'est bien le bâton amélioré qu'on a dupliqué. Donc voilà, c'est rien de plus simple. On a réussi du premier coup, on n'a pas fait deux essais. Donc je pense que c'est vraiment question timing. Je pense que c'est assez large et c'est assez réalisable. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, les potos. Allez, ciao! Peace. Y'all make bruh, y'all make bruh.